Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté des analphabètes. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour au niveau du Mali en ce jour pour vous présenter, après l'arrestation des 49 soldats du côté de Bamako en ce jour, la transition malienne décide de trahir les plus profonds secrets. En effet, après l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako, la transition arrête aussi plusieurs soldats burkinabés au Mali. En effet, la transition militaire au pouvoir au Mali a annoncé le dimanche dernier l'arrestation de 49 militaires ivoiriens à l'aéroport de Bamako. Ceux-ci sont considérés comme, je cite, des mercenaires arrivés illégalement sur le territoire, a annoncé lundi le porte-parole du gouvernement, tout en précisant que le dossier a été transmis aux autorités judiciaires compétentes. Quant à elle, les autorités ivoiriennes ont exigé le mardi dernier la libération immédiate de ces soldats interpellés au Mali, tout en faisant savoir que ces soldats étaient à Bamako dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali en abrégé MINUSMA, qui, selon la présidence ivoirienne, bien connue des autorités maliennes du côté du Mali en ce jour. Selon un média local, l'Ivoire note, après l'arrestation de ces soldats ivoiriens, les autorités maliennes ont à nouveau interpellé deux soldats burkinabés. Scoper CI vous présente la note du média publiée sur un réseau social. Mali et du Burkina Faso. Le 12 juillet 2022 à 10h, M. Somtin, Frédéric Ouédraogo et Pierre Comparoé, tous de nationalité burkinabé en provenance de Ouagadougou, sont arrivés à bord d'une RAV 4 couleur grise immatriculée 86-92-D-203-BF au bureau secondaire des douanes de Erema-Kono pour solliciter un laissez-passer en vue de se rendre à Bamako. Les deux instruments ont été arrêtés et conduits à la brigade territoriale de la gendarmerie malienne à Sikasso pour une audition, car suspectés d'être des mercenaires venant déstabiliser le pouvoir d'Assimi Goïta. Ce jour, les soldats burkinabés sont toujours retenus par la transition malienne du côté du Burkina Faso. Eh bien les amis, c'est la situation actuelle du côté du Mali, s'il vous plaît. Actuellement, c'est la situation qui prévaut profondément du côté du Mali en ce jour. Comme vous l'avez si bien entendu, le gouvernement malien a bel et bien arrêté aussi deux commandos burkinabés en provenance de Ouagadougou qui venaient déstabiliser le pouvoir malien. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce communiqué? Laissez donc vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.